Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le voyez, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors, donc, comme je le dis, aujourd'hui, je vais commencer à essayer de vous expliquer en ce qui concerne la bourse de sciences et technologies en Pologne. Voilà, et cette bourse-là, pour ceux qui veulent vraiment postuler, vous devez savoir que ça concerne la licence, le master. Voilà, et doctorat. Mais on va mieux se focaliser sur la licence et le master parce que c'est là-bas qu'il y a plus d'opportunités et tout ça. Voilà, donc comme je le disais, c'est AGH, sciences et technologies en Pologne. Mais n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas de certificat en anglais, vous devez savoir que c'est obligatoire ici pour pouvoir avoir même une admission. Voilà, donc c'est l'interface qui est là. Je vais comme ça aller vite. Et si vous avez étudié déjà en anglais, là, vous n'êtes vraiment pas obligé de présenter un certificat en anglais. Voilà, vous pouvez postuler directement et obtenir cette bourse-là directement. Voilà, mais d'abord, c'est après admission. Et après l'admission, vous allez avoir comme ça un compte. Ou bien le recteur va d'abord vous accepter avant d'obtenir une admission et une bourse. Donc ici, vous voyez, là, on est sur admission et study. Donc nous, c'est ce qu'on va prendre. Voilà pour voir un peu si on peut postuler en licence ou bien en master. Et en même temps, on va vérifier le temps en ce qui concerne la date limite et tout ça. Parce que sans une date limite, on ne peut pas vraiment essayer de postuler à une bourse. Voilà, donc on va cliquer sur admission. On va choisir entre programme et en anglais ou bien en langue polonaise. Nous, on va prendre un master en anglais, voilà, pour mieux vous expliquer. Maintenant, si vous choisissez la langue en langue polonaise aussi, il n'y a pas de problème, voilà. Mais vous devez savoir qu'il ne faut pas de cours de langue polonaise, donc forcément, vous devez avoir un certificat en anglais ou bien un certificat en langue polonaise. Voilà, donc comme vous le voyez là, ici, il y a la deadline, il y a scholarship, voilà, il y a aussi. L'étape par, quand on dit step by step, ça veut dire que étape par étape, c'est-à-dire si vous voulez postuler là, vous pouvez vérifier là rapidement, step by step, pour pouvoir vous en sortir. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va peut-être essayer de voir quand est-ce que ça finit, le deadline. Comme ça, on va savoir, on va se mettre dans un endroit pour voir où nous sommes en réalité. Soit nous sommes dans la première sélection ou bien dans la seconde sélection. Voilà, donc ici, nous on va essayer de vérifier la date limite. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Si vous avez bien remarqué, pour pouvoir postuler, vous devez vraiment, si vous voulez faire le master, vous devez avoir un certificat de licence ou bien un diplôme de licence. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de légaliser ou bien de faire autre chose. Vous pouvez postuler avec ça directement. Et après être retenu pour une admission ou bien une bourse, en ce moment-là, vous allez maintenant essayer de faire quoi? Essayer d'aller à l'ambassade ou bien au consul pour pouvoir postuler ou bien pour pouvoir légaliser vos dossiers et leur transmettre cela. C'est assez important parce que sans ça, vous ne pouvez pas vraiment essayer d'étudier à l'extérieur avec votre diplôme. Ok, donc nous on vient directement sur. Sur full time. Full time, ça veut dire que c'est études complètes. Donc, on va venir choisir le premier élément, c'est-à-dire full time, c'est-à-dire avec un coût complet. Donc, on vérifie là pour la date limite, qui est deadline, vous voyez. Je fais ça comme ça parce que je n'arrive pas à traduire, je dois faire des paramètres dans mon ordinateur pour pouvoir traduire rapidement en français. Donc, on choisit deadline et deadline. Si vous regardez bien le deadline, ici pour full time study, comme j'ai mis là en bleu, pour full time study, c'est ce qui nous concerne parce que
Si ce n'est pas un full-time, pour avoir un visa, c'est compliqué. Donc, si vous regardez bien ici, il y a le premier recrutement, c'est déjà passé. Donc, nous sommes là au deuxième, qui commence le 25 juillet et qui finit le 9 septembre. Donc, c'est ce qui nous concerne. Donc, c'est ce que nous, on va choisir. Donc, on va essayer de postuler pour cet élément-là. Et ils vont comme ça donner le résultat le 18 septembre. Mais pour l'instant, vous devez savoir aussi qu'il y a un paiement à faire. C'est vrai que ce n'est pas aussi élevé que ça, mais vous devez solder les frais de scolarité pour pouvoir avoir l'admission. Et ici, comme vous voyez là, je mets en bleu ça, le 18 septembre, c'est pour les résultats de ceux qui vont postuler à partir de maintenant. Voilà, donc c'est bien dit. Et là, je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir, ou bien quels sont les documents dont on a besoin. Donc, requirement document, ça, ce sont les documents dont on a besoin. Voilà. Les documents dont on a besoin pour la licence ou bien le master, je vais vous montrer ici rapidement. Donc, comme vous voyez là, vous voyez, il y a le document de licence, il y a les traductions, voilà, il y a les relevés de notes. Les relevés de notes, c'est ce qui est juste en dessous. Donc, c'est ce qu'on appelle les transcripts. Voilà, vous devez avoir aussi un certificat en anglais. Pour ceux qui veulent étudier en anglais, vous devez aussi avoir une bonne photo, une bonne photo numérique. Vous devez aussi avoir un passeport qui est valide. Vous comprenez? C'est ce qui est aussi important. Donc, et vous devez aussi solder la scolarité. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est hyper, hyper important. Et je le répète, vous n'êtes pas vraiment obligé de légaliser vos documents maintenant. Vous n'êtes pas obligé de certifier vos documents maintenant. Ce que vous devez faire, vous devez légaliser, vous devez traduire vos documents en anglais si ce n'est pas encore fait. Et en ce qui concerne les titres d'anglais, si vous n'avez pas étudié en anglais, vous pouvez déjà essayer comme ça d'avoir un certificat en anglais. Quel que soit le certificat que vous voulez, vous pouvez ajouter ici pour pouvoir faire votre test. Si il se trouve que votre certificat en anglais n'est pas reconnu par l'université, ils peuvent vous faire un test ou bien l'interview en ligne directement pour essayer d'évaluer vos compétences en anglais. Et si ça passe, ils vont vous noter et ils vont accepter votre document d'anglais. Voilà. Maintenant, ceux qui ont les TOEFL ou bien IELTS, pour ceux-là, il n'y a pas de problème. Vous mettez là directement, ils vont vous accepter. N'oubliez pas, c'est notre WhatsApp qui est là. Pour ceux vraiment qui veulent qu'on les conduise sur cette plateforme-là ou bien qui veulent vraiment qu'on les suive pour une procédure, vous pouvez nous faire signe. On va, voici le numéro qui est là. On va essayer de vous suivre jusqu'à la fin. Donc ici, comme je vous montre, vous voyez là, c'est comment est-ce que vous devez faire pour traduire vos documents ou bien légaliser après admission. Une fois que vous avez eu l'admission, vous allez légaliser à l'ambassade ou bien au consulat, voilà, de votre pays. Et lorsque vous finissez maintenant, vous allez envoyer à l'ambassadeur de la Pologne ou bien au consul de la Pologne là-bas pour pouvoir faire l'apostille ou bien légaliser. Voilà, donc c'est lorsque l'ambassade là-bas va légaliser, l'ambassade de la Pologne va légaliser, que les universités ici en Pologne vont pouvoir reconnaître vos documents. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ce qui concerne la déclaration où ils ont mis la Declaration of IG University Graduate, ça c'est pas un problème. Ça c'est pour lorsque vous allez commencer à postuler sur le site où vous allez voir et vous allez cocher la déclaration. Donc ça c'est pas vraiment un problème. Et n'oubliez pas, lorsque vous finissez, il y a un petit examen à la fin. Voilà, il y a aussi les paramètres de l'examen qui se trouvent là. Il y a aussi des exemples d'examen qui se trouvent là que vous pouvez utiliser déjà pour pouvoir vous apprêter à ce qui concerne des questions. Ce sont des questions qui sont assez simples, donc ce n'est pas vraiment un problème. Je sais que vous pouvez vous en sortir très facilement. Voilà, donc comme je le montre là, je le répète encore, c'est le numéro qui est là. Vous pouvez me contacter inbox pour qu'on puisse vous suivre sans problème. Voilà, donc comme je le montre là, vous pouvez étudier en langue polonaise ou bien vous pouvez étudier aussi en anglais. Donc n'oubliez pas, les traductions sont assez importantes. Voilà. Et en ce qui concerne les frais d'admission, je crois que les frais d'admission, ce n'est pas aussi élevé que ça. Donc vous allez voir, c'est un maximum de 25 000 francs que vous allez mettre en ligne pour pouvoir solder. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, comme je l'ai dit, nous sommes en ligne et faites-nous signe. On va essayer de vous aider à postuler. Ok, maintenant, je vais comme ça essayer d'aller là-bas pour pouvoir montrer
les types de bourses qu'ils ont. Voilà. Et à ce qui concerne les bourses, comme je l'ai dit, vous devez d'abord avoir l'admission. Et quand vous avez l'admission, eux-mêmes, ils vont voir votre document. Il y a quatre bourses ici, vous voyez. Il y a quatre types de bourses. Mais la bourse qui nous concerne, c'est la bourse AGH University. Donc la bourse AGH University, vous allez voir que ici aussi, il y a quatre bourses. Donc ces quatre bourses qui sont là, vous voyez, vous ne choisissez pas la bourse. Vous, ce que vous allez faire, vous allez postuler seulement pour une admission. Et lorsque vous allez postuler pour une admission, par rapport à votre document ou bien par rapport à votre dossier, ils vont vous évaluer et ils vont vous choisir ici une bourse, voilà, qui est propre à votre dossier. Vous voyez? Donc vous ne postulez pas à deux éléments en même temps. Le seul problème que vous allez, le seul truc que vous allez faire, vous allez aller sur le site et lorsque vous allez sur le site, vous allez choisir que vous n'avez pas de diplôme de bourse et eux-mêmes ils vont vous choisir la bourse. Maintenant, je vous montre comment est-ce que on va faire pour postuler à l'admission et recevoir une bourse auprès de l'université. Donc, ce sont des éléments qui sont assez factifs, ce sont des éléments qui sont vraiment assez complaisants. Donc, ici, sur le site, vous avez login et registration. Ici, si vous n'êtes pas encore enregistré, vous allez partir sur la registration. Maintenant, si vous êtes déjà enregistré, vous allez sur un login pour pouvoir continuer. Donc, nous, on va aller sur registration et on va s'enregistrer d'abord sur le site avant de pouvoir faire un login et pouvoir continuer pour chercher à mettre nos documents et nos informations et postuler à une bourse, à une admission et recevoir une bourse. Voilà, donc ici, arrivé là, vous allez voir qu'en bas, vous devez confirmer. Voilà, mais ce que je vais faire, je vais faire une nouvelle vidéo tout à l'heure pour qu'on puisse, pour ne pas qu'on ait assez une longue vidéo. Donc, je vais faire une vidéo tout à l'heure, comme ça, vous allez être mieux servi en ce qui concerne la registration et aussi en ce qui concerne la bourse. Donc, restez connectés et à tout à l'heure, les gars.